comité d'animation de Saint-Sauveur remercie chaleureusement les enfants et tous les habitants de Saint-Sauveur dont l'amicale participation a permis la réalisation de ce film sans prétention, si ce n'est celle de vous distraire. Saint-Sauveur-d'Aunis, village tranquille, épargné par les frénésies des temps modernes. La vie se déroulerait paisiblement si le ciel ne commençait pas à devenir inquiétant. Ce ne sont pas les nuages, car depuis l'année de la comète, on a l'habitude de les voir même hors saison. Ce sont d'étranges objets, toujours impossibles à identifier, qui sillonnent le ciel sans cesse. Ils apparaissent puis disparaissent, et chacun s'interroge. Les extraterrestres s'intéressent-ils à nous et ont-ils l'intention de descendre et de nous envahir? À force de scruter le ciel, les habitants de Saint-Sauveur souffrent du dernier fléau après le sida, le torticolis. Son mal en patience, on en rit, mais c'est plus fort que soi. Même à la sortie de l'école, on ne surveille plus les voitures, on surveille le ciel. Ne peuvent résister et eux aussi lèvent la tête et s'interrogent. Quel est ce nouvel engin qui vient de survoler l'église? Non, non, ce n'est pas le coq. Mais lui aussi ne sait plus vers où se tourner. On grimpe sur un banc, on monte à la fenêtre pour observer le ciel et regarder ces ovnis. Ceux qui ont des télescopes essayent de déterminer de quelle planète ces envahisseurs arrivent. Chez les médecins, les plus malades font la queue pour trouver remède à leur mal. Les minerves se vendent dans les supermarchés. Bientôt, ce seront les épaules qui seront ankylosées. Car à force de se tenir la tête, les malades finiront complètement handicapés. D'ailleurs, le boucher s'est coupé le doigt en même temps que le beefsteak à cause des objets volants.
Un beau matin, alors qu'il partait faire son jardin, Monsieur Delage lâche sa bêche d'émotion devant le spectacle qui l'attend. Il part en courant prévenir ses voisins. Seul vestige des magnifiques peupliers de Monsieur Robin, quelques branches jonchent le sol. Aucun doute, un engin spatial a atterri. Les bûcherons de l'espace ont frappé. S'ils ont laissé ces quelques branches, c'est qu'ils ont été dérangés et ont redécollé en catastrophe. Arrivés sur les lieux, maudissent les bûcherons de l'espace venus du ciel pour dévaster le village. Selon les plus grands chercheurs, ces redoutables agresseurs seraient des mutants du peuple des termites émigrés des Charentes vers le Nouveau Monde et qui avaient mystérieusement disparu. Monsieur Robin est atterré. Personne ne sait plus quoi faire. On décide en définitive de partir en délégation chez Monsieur le maire pour lui annoncer le désastre.
Dans l'après-midi, des enfants venus jouer sur les lieux du désastre s'immobilisent devant un curieux animal qui gît dans l'herbe sous les branches. Chercher de l'aide auprès du jardinier le plus proche. Monsieur Bréchet, courageusement, arrive avec sa brouette. Il s'approche de l'extraterrestre, inanimé ou endormi. Il surmonte son appréhension et prend l'animal dans les bras. Les enfants l'entourent et la longue marche va commencer jusqu'à l'école où quelqu'un pourra peut-être déterminer à quelle espèce étrange appartient ce spécimen rare. Les enfants qui rêvent facilement de vivre dans la fiction accompagnent allègrement la bête, tandis que les rares passants restent à distance. Dans la cour de l'école, c'est l'effervescence. Monsieur Bréchet part à la recherche de Monsieur Liori, instituteur, pour qu'il examine l'animal. On le sort
de sa brouette pour le déposer par terre. L'auscultation commence. Soudain, c'est le drame. Monsieur Lurie tombe, foudroyé, et tout le monde l'entoure. Au secours, à l'aide! Monsieur Plinet arrive comme une trombe. Et ses claques vigoureuses raniment son collègue. Le soulagement ne dure qu'un instant, car la bête a disparu pendant l'incident. Tout le monde la cherche avec inquiétude. Et tout à coup, catastrophe. Non seulement le bûcheron de l'espace a disparu, mais encore il a dévoré sa brouette, ne laissant que de la sciure à sa place. C'est son premier repas qui risque d'être suivi de beaucoup d'autres si on ne le retrouve pas. Le conseil municipal se réunit. De toute urgence, car vous le savez, de graves événements menacent notre village. Au cours de la nuit dernière, un gros bataillon de bûcherons de l'espace a envahi Saint-Sauveur et détruit tous les peupliers de la rue de la Chare. Ils sont dans nos bûchers, dans les charpentes, dans nos maisons, peut-être dans le clocher, dans les écoles. Il faut les rechercher et les détruire tous et vite. Voici le projet d'appel que je soumets à votre approbation pour mobiliser toute la population contre ces nouveaux envahisseurs. Je compte sur vous pour persuader tout le monde rapidement. Appel à la population. On recherche les bûcherons de l'espace, auteurs de la destruction des peupliers, rue de la Chare et de la Bourgogne. Appelez vite au 46 01 93 à la mairie en permanence. L'affiche attire les curieux, mais ils ne semblent pas prendre très au sérieux cette menace pourtant réelle. Ils lisent l'affiche, ils la relisent, ils se regardent les uns les autres et ils se demandent ce qu'il va bien falloir faire pour se défaire de ces fameux bûcherons de l'espace. On ne croit pas encore réellement à leur efficacité. On appelle les voisins, on leur dit « Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire étrange ?» Mais tout le monde hésite à croire que réellement des extraterrestres sont à Saint-Sauveur. Les commandos partent à sa recherche. Paul Girard tremble. Il vit maintenant assis sur sa réserve de bois. Sa femme et ses enfants l'entourent. Il guette le monstre. Tous les outils sont bons, de la louche au ciseau en passant par le râteau à feuilles, ou bien encore la bombe antithermite.
Mais la bête continue de se nourrir, et le bois disparaît à vue d'œil dans sa sauveur. On décide de mettre des guetteurs devant tous les tas de bois. Il n'y a pas d'âge pour faire ce travail. Les aiguilles à tricoter valent bien les cartes à jouer et le verre vide. S'amuse de la chose. Mais... à force de s'endormir sur cette idée, on finit un beau jour par se réveiller, les sabots transformés en sûrs. Monsieur Chauveau ne nous contredira pas. Il faut sévir. On part à la recherche d'un inspecteur réputé pour sa sagacité. On l'amène au lotissement où a été retrouvé un tas de sûres mystérieux. Examen et prélèvement de la précieuse relique, ce dernier repart, la loupe dans la poche et l'air perplexe. Mais le bûcheron de l'espace est en pleine forme. On le voit trottiner allègrement dans les rues. Chercher ici un bon morceau et Madame Billot va avoir une mauvaise surprise en ouvrant sa porte. Plus besoin de clé pour ouvrir cette fameuse porte puisqu'elle n'existe plus. La termite a tout dévoré sauf les gonds et la serrure. C'est la consternation et elle ne sait plus vers qui se tourner pour faire partager son angoisse. Pendant ce temps, le termite court toujours et il sème la terreur dans les ruelles de Saint-Sauveur.
continue de se gaver. Et l'état de sueur augmente en même temps que l'angoisse. Les arbres eux-mêmes se retrouvent tendus au maximum. Et à ce rythme, on se demande s'il restera encore une miette de cette précieuse matière qui s'appelle le bois. On a atteint un tel point d'angoisse que l'abbé Billot décide d'organiser une neuvaine à ma chapelle. En effet, c'est du ciel qu'est venu le désastre. Seul le ciel pourra arrêter cette hécatombe. Par contre, du côté du stade, les sportifs se sont donné rendez-vous pour un match. Un match de football, évidemment. Soudain, les joueurs se trouvent face à l'extraterrestre. S'il dévore les buts, plus moyen d'en marquer. Les footballeurs, rendus furieux, se jettent sur lui. Mais ils sont vite neutralisés, tout comme l'a été l'institution. On a appelé les pompiers et leur arsenal anti-frelons. Ils arrivent à l'attaque. Malheureusement, il n'y a rien à faire. On arrive seulement à effaroucher la thermite. Une invraisemblable pagaille règne sur le terrain, car le termite résiste à toutes les tentatives de destruction. C'est alors qu'un groupe d'écoliers réussit magistralement la capture de la bête increvable. Quelques bûches placées au fond d'une lessiveuse attirent irrésistiblement le dévoreur de bois.
Ils sautent dans la marmite avec avidité. Il suffit alors de fermer rapidement la lessiveuse et d'assurer la capture en s'asseyant sur le couvercle. Il fallait y penser. Bravo les jeunes! Afin d'achever en beauté cet épisode historique, les habitants de Saint-Sauveur font cuire ce spécimen rare, débarqué imprudemment en 1986 dans le village. Puis, ils célèbrent un repas exceptionnel dans le jardin de la maison Le Tellier. Fin du repas, à la surprise générale, les convives découvrent avec stupeur qu'ils sont maintenant prêts pour la conquête de l'espace et l'an 2000. À quand les Charentais de l'espace ?